aujourd'hui 18 mars, une date importante pour le Stade Malherbe de Caen qui doit se maintenir à tout prix en première division cette année. Il rencontrera ce soir donc le Saint-Étienne. Et une date également importante pour un joueur qui a fait une longue carrière au club et qui a marqué de son empreinte ce club en tant que joueur mais aussi éducateur. Je veux parler du jubilé de Pascal Théo à qui je vais passer la parole dès maintenant. Eh bien, pour ce jubilé, nous avons droit à 3 matchs. 2 matchs vont commencer à 16h15, l'un opposant les délégués du Stade Malherbe aux sympathisants. Le deuxième match va opposer à la même heure les éducateurs du Stade Malherbe aux éducateurs de Basse-Normandie. Enfin, le troisième match en levée de rideau de Saint-Étienne, mes coéquipiers en équipe première des années 70 contre mes coéquipiers en équipe première des années 80. Mon premier entraîneur quand j'étais tout petit à l'école de football. C'est juste. Tout va bien ? Oui, bien sûr, et je t'associe à l'EDUF en même temps, parce que Derel et tous ces jeunes, vous étiez plein de qualités, et je n'ai jamais rien eu à t'apprendre, tu savais tout en arrivant. Oh. Et si, et tu as fait une brillante carrière, et tu pouvais faire encore mieux, je crois. Parce que tu aurais pu être pro à l'heure où tu voulais, quand tu aurais voulu. Si, 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 si. Chauvinisme de ma part, parce que je te considère un peu comme mon fils, si tu veux. Voilà. On a passé de bons moments au stade. Hein. Très bon moment. Du gardien qui va relancer sur le côté. Et un Marocain accélère. On temporise. Ah, la intervention brillamment du stopper Bisson qui relance le jeu magnifiquement sur le tertre. Voilà, oh là là. Bravo. Appui. Bonne circulation du ballon. Les blancs sont complètement dominés. Voilà, voilà. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Et belle relance sur Francis. Bravo, un appui. Bravo. Bravo. Bravo.
Attends, tu vois. Excellent. Encore une balle perdue. Voilà, on relance. Voilà. Du stade de Venois, nous allons nous diriger actuellement vers le gardien de but des Verts, Noël Tosi, qui nous fait une partie sensationnelle aujourd'hui. Je crois qu'il nous fait une belle rentrée. Monsieur Tosi, s'il vous plaît. Monsieur Tosi, vous pouvez venir un peu près de la caméra mobile. On peut vous interviewer. Trop isolé, il se trouve, voilà, balle en touche. Alors monsieur Tosi, que pensez-vous de votre équipe aujourd'hui? Eh ben, c'est pas mal, je crois que la moitié a la débit rousse et l'autre moitié a la fourre au seigle. Ouais. Et donc ça va très bien hein, pour le moment, il n'y a aucun problème. Hein. On se demande comment les blancs vont marquer. Hein. Tant sur le côté gauche, monsieur Lagadec qui enlève les mottes de terre et puis bon, sinon... Ne pensez-vous pas quand même que d'avoir enlevé la charrière centrale des blancs, ça a un petit peu gêné le jeu? Oui, et puis surtout les consignes qu'on a données avant match de la part de notre capitaine qui a dit lorsque le gardien plonge à droite, vous tirez à gauche. Ce que je pense, c'était très important de savoir ça. Je vous remercie beaucoup. Alors, que pensez-vous du match aujourd'hui? Vous pensez que les Blancs vont remonter au score? Si, je pense que deuxième mi-temps, moi, rentrer dans l'équipe et peut-être très en forme en ce moment et marquer 3 buts. Ouais, nous avons interviewé le gardien de but, il disait que depuis la disparition de la charnière centrale et que le match était moins fort. Si, parce que, comment c'est, je ne sais pas dire le mot. Regardez bien la caméra, si, s'il vous bonjour, plaît. Monsieur. Regardez bien la caméra. Si, bonjour, monsieur. Il fait des sourires à moi. Oui, oui, monsieur est souvent sur les stades d'Europe et tout, et aujourd'hui, il nous fait l'amitié de venir pour le jubilé Pascal Théo. Si. Alors, vous pensez que vous allez remonter au score? Ça dépend de la prime donnée capitaine à moi à la mi-temps. Téléphone.
d'un de ses équipiers des années 80-70, oui. Bandozek, hein. Un avis autorisé, je crois. Alors, quelle est donc l'impression générale? L'impression, bien. On a affaire entre deux équipes techniques, notamment, puisque c'est quand même des anciens qui ont joué en deuxième et première division, ce qui fait un match très agréable. Le ballon circule bien. Nous avons eu trois beaux buts là, pour les anciens de 70 et ceux de 80. Malik vient de marquer un superbe but. Nous, on va essayer de tenir dans la mesure où on a quand même 10 ou 12 ans de différence. La deuxième mi-temps va certainement être dure dans la mesure aussi que c'est sur le grand terrain. Et puis chacun va vouloir montrer un petit peu les restes qu'il a par rapport aux années précédentes. Et on espère faire quelque chose de bien. Un régime particulier pour aborder ce match Un régime particulier. Avant, vous avez fait un entraînement intensif, vous avez pris des vitamines. Oui, quand même un petit peu. On a fait ce qu'il fallait. On a réduit un petit peu la bouffe, comme on dit, la consommation. Et puis un entraînement quand même régulier quoi, pendant quelques temps, une semaine à peu près. Très bien, merci. Goguillon, le dirigeant de l'équipe, des deux équipes qui jouent, et l'organisateur d'ailleurs du Jubilé. Alors, monsieur Goguillon, que pensez-vous de ce grand rassemblement qui, je crois, est exceptionnel? Voilà, c'est magnifique pour le Stade Malherbe, parce qu'on voit ici trois générations de joueurs qui ont marqué vraiment le Stade Malherbe. Philippe Fossard dans les buts, quand on voit Malik Ndiaye, quand on voit Paulo Potier, Jacques Larguette qui a été quand même pro en première division longtemps, qui a joué à Bordeaux, quand on voit des Yannick Caro qui était encore entraîneur du Stade Malherbe il y a encore 2 ans en équipe B, je pense que c'est fabuleux, c'est une fête fabuleuse pour Pascal Théo. Jacques Mouiron, que pensez-vous de cette journée? D'abord, je suis très heureux de venir au Jubilé de Pascal. Pascal qui a été un des tout jeunes joueurs que j'ai connu comme entraîneur. Et j'étais heureux de pouvoir le faire entrer, de faire ses débuts en professionnel. Ses débuts malheureux, puisque je me rappelle, il a eu une double fracture à un match à Rennes. Et il avait fait des débuts malheureux, mais je suis content pour lui, c'est bien remis. Il a fait une très bonne carrière, il est en train de faire une très bonne carrière comme entraîneur. Bravo Pascal. Comme entraîneur, comme éducateur, formateur de jeunes. J'ai un petit peu perdu de vue parce que ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu à Caen, mais j'ai suivi quand même sa carrière et je sais qu'il fait du très bon travail. Cornière, vous êtes un témoin privilégié de la carrière de Pascal Théo, que vous avez connu tout jeune. Oui. Et vous avez vu donc son évolution depuis 10 ou 15 ans. Oui, tout à fait. Dites-nous un peu quelques mots sur son Pascal sujet. Pascal Théo est pour moi un exemple dans le domaine sportif, parce qu'il est effectivement rentré au club tout petit. Je l'ai connu parce qu'il y a tout de même 55 ans que je suis dans ce club. J'ai donc vu minime, tout petit, tout poussin, minime, et évoluer. Et j'ai toujours apprécié son état d'esprit, son dynamisme, sa volonté, et toujours très 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 sport dans sa façon d'être avec ses camarades. Et pour les jeunes, c'est vraiment un exemple dont ces enfants peuvent tirer profit. Ça me fait beaucoup de plaisir de le dire. Vous êtes même donc d'accord avec le titre d'un grand quotidien régional cette semaine, en parlant de Pascal Théo, disant un exemple. Exactement, un exemple, c'est vraiment l'exemple du footballeur qui a fait une carrière excellente et qui aujourd'hui continue à exprimer tout ce qu'il a pu apprendre et à le donner aux autres. Et ça, c'est une chose énorme, ça. Thank you.
remet un trophée à Pascal Théo. Je vous demande une minute. Et il va essayer de remonter le couloir avec celle des années 80 maintenant pour essayer d'égaliser, pourquoi pas, et même de prendre l'avantage. Ça, M. Théo, c'est bon là? On y va? Oui, c'est bon, ok. Ok, allez, bonne chance.
naked light I saw. 10,000 people made me more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls and whispered in the sounds of silence. Oui.
pourrait dire. Mais avant que Daniel Gonzalez ouvre la fameuse soirée dansante, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui vont chanter au cours de cette nuit, j'aimerais avoir quelques petites pensées d'abord pour deux personnes dont on n'a pas cité, qui n'ont pas été vues ce soir. Ce sont mes parents qui sont là. Ces années, c'est tout d'abord, et beaucoup grâce à eux, parce qu'ils étaient sur Venoy, ils étaient déjà dans les stades de football avant que je naisse, donc le cœur que j'ai de ma garbie, c'est à eux que je le dois. Et les deux autres personnes, il y en aura une troisième qui va nous rejoindre par la suite, qui est Jean-Jacques Fiollet, qui a donné son autorisation pour ce jubilé, mais j'aimerais faire venir les deux organisateurs, les deux personnes qui ont eu l'initiative de ce jubilé, et qui ont fait un maximum de travail, aidés, il faut le dire, par tous les participants ce soir, et surtout les dirigeants du club, les délégués de jeunes que je vois là-bas, qui vous ont préparé cette magnifique soirée. Arturo, Christian, je pense que vous pouvez venir. De toute l'école de football, de